Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. Voilà, je suis désolée, je suis encore malade, c'est le même jour que la question du lundi. Désolée! Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un Lenormand, mais pas n'importe quel Lenormand. En fait, un Lenormand qui est resté dans ma wishlist pendant assez longtemps et que finalement, je me suis décidée à m'offrir. Voilà, parce que ça faisait longtemps que. Enfin, longtemps. Ça faisait un mois et demi que j'avais pas acheté de Lenormand. Ouh, le bout du monde! Mais pour moi, c'est le bout du monde. Hein. Je vous dis ça, genre, non, mais vraiment, pour moi, c'est le bout du monde. Donc, c'est le Ferry Lenormand. C'est pas le Ferry tel, hein. C'est le Ferry Lenormand. Voilà. Donc, de Marcus Katz. Je suis désolée, je suis malade. Hein. L'excuse. Et T. Goodwin, je sais plus c'est qui. Je ne sais plus si c'est Tatiana, enfin T. Goodwin. Et les dessins sont de David Corsi, aux éditions Los Carabeo. Donc avec un livret multilingue. Il est, j'allais dire nul. Il n'est pas nul. C'est un livret Los Carabeo. C'est un livret de Lenormand. Voilà. C'est un livret de Lenormand. Alors je vous cherche la partie française pour vous montrer. Voilà. Alors, son nom français, c'est l'Oracle des Fées Lenormand. Et voilà, ça fait de la page 99 à la page 112. Voilà. Donc, c'est un livret, le scarabéo, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Je les ai pas remis dans l'ordre parce que j'ai fait le tirage pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai fait un tirage écrit pour combler le manque de ma vidéo de cette semaine. J'ai fait un tirage écrit sur Facebook et sur Instagram. J'ai pas fait de Dixit, vous m'en voudrez pas, mais dimanche entre. Enfin, déjà, j'ai été malade pendant 4 jours. Dimanche, entre faire le tirage écrit, préparer les cartes que vous aurez toute cette semaine, j'avais aussi besoin de me reposer pour pouvoir faire les consultations de cette semaine. Voilà. Donc, le dos des cartes. Alors, faut que je me cache. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc, elles sont pas dans l'ordre, hein, je suis désolée. Le serpent. La tour. Le mont. Non, pas le mont, le nuage. C'est la carte numéro 6. Le jardin. Le mont, cette fois. Le poisson. Le chien. Le cercueil. La lune. L'ours. Le chemin. J'aime bien ce côté soleil, lune du chemin là. J'aime beaucoup. Le cavalier. Le trèfle. Le lys. Les oiseaux. La clé.
suis désolée, je renifle. Je suis malade. La faux. Enfin, c'est des résidus de maladie. Hein. C'est pas non plus. C'est pas dramatique. Hein. Le soleil. Alors, celle-ci, c'est. Ah. Il me semble que c'est l'enfant. 13, ouais, c'est l'enfant. La cigogne. L'anneau. L'arbre. Le renard. La maison. Oui, hein. Oui, la maison. La femme. Alors dans ce jeu-là, c'est pas comme dans le Pagan, il n'y a qu'une seule femme et qu'un seul homme. Les souris. L'homme. La croix. Le bateau, pour que je cherche. La lettre. Ah, j'ai pris la peine de me maquiller pour essayer d'avoir une tête correcte et tout est en train de couler. Je suis trop malade. C'est pas grave. Le livre. La verge. L'étoile. Le bouquet. L'encre, qui est une carte que j'aime beaucoup dans ce jeu. Et le cœur. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce jeu. Il a une énergie. Alors, bizarrement, il a une énergie assez terrienne, voilà, et en même temps assez féerique, fantastique, mystique, un petit peu. C'est un mélange entre l'ancrage et le mysticisme un petit peu perché, que j'aime bien. Par contre, c'est pas, à mon sens, c'est pas avec celui-ci qu'on apprendra les codes. Je pense que celui-ci, c'est pour se faire plaisir. Voilà. Apprendre les codes du Lenormand avec celui-ci me paraît un petit peu compliqué parce que, vous voyez, même l'enfant, j'ai eu du mal. Il me semble que c'est l'enfant, oui. Ça, c'est, pour moi, c'est une sorte de. Par contre, on peut s'en servir en tant qu'oracle. Mais ça, c'est une sorte de petit bonbon quand on connaît le code. Et du coup, on peut ne pas se laisser distraire par tout ce qu'il y a sur la carte, mais se servir du code tout en allant chercher des petits détails qui peuvent être de l'ordre de l'oracle. Mais à mon sens, si on veut apprendre, c'est pas la meilleure manière avec ce type d'objet. Non. C'est plutôt quand on connaît déjà et quand on veut faire en fait une sorte de combo dans notre tête entre le Lenormand et l'oracle, bah, cet objet fait les deux. Je vais regarder comme ça. Si je tombe sur les poissons comme ça, je vais me dire ok, l'argent, la pêche miraculeuse. Mais là, les poissons, ils sont volants sur celui-ci. Du coup, je vais me dire, le truc, il arrive vite, il va être joyeux. Il y a l'eau, donc il va être émotionnellement joyeux. Et il y a l'air, ça va être assez rapide. Ça peut être assez volatile aussi. Ça va être remuant. Pour moi, ça va être remuant. Il y a ce côté, donc, le normand. Et puis, il y a ce côté un petit peu oracle. Profite, cherche la joie.
Je vais essayer d'aller là-dedans. Si y a de l'argent qui arrive, profites-en pour te faire plaisir, profites-en pour faire plaisir autour de toi, pour créer la joie et pour être dans l'énergie de la joie. Du coup, il y a ce côté, on peut travailler avec les deux. Alors là, c'est un exemple, hein. Il n'y a qu'une seule carte, j'ai pas d'autres, voilà. Mais c'est pour vous montrer qu'il peut servir aussi bien en tant que, comme le pagan, un petit peu aussi bien en tant que le normand, que en même temps en tant qu'oracle. C'est un combo dans les deux, à mon sens. Et du coup, j'aime bien le normand traditionnel, parce que là, du coup, il va y avoir un aspect pour moi, hein, très psychologique. Et puis, j'aime bien de temps en temps, avec ce genre de. Avec des tarots. Avec un tarot, je vais utiliser ce genre de le normand qui vont me permettre. Et c'est le tarot des filles qui m'a. Lors d'un tirage, je me suis dit, mais c'est pas bête ce qu'elle fait. Elle fait par catégorie, vie quotidienne, etc., etc. Moi, je le fais sans catégorie, mais par contre, je pense que j'ai pris un tarot et ce le normand là, et je me suis dit que ça matchait bien, aussi bien dans la version le normand tarot que dans la version tarot oracle. Ça matchait bien. Du coup, si vous êtes curieux, allez voir mon tirage écrit sur Facebook et Instagram. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère un peu moins coulante, un peu moins malade, un peu moins reniflante, un peu moins le nez bouché. Hein? On croise les doigts. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!